tire le numéro de Dylan. Tiens, je te donne le... Voilà, et lui, il va le diffuser. Tu vois quelque chose? Je veux juste faire un test pour si on voit. Et d'Ariane, ils vont faire un zoom. T'as besoin de quoi? Leur numéro pour qu'on leur passe le lien. Très bien. Alors, un instant. Mais rien à mon avis. Tu parles pas, Yad, parce que. Tu veux. Ça, David, parce que moi je peux pas couper. C'est toi qui leur envoie un lien? Là, je sais pas si ça. Ça a commencé là, non? Oui, mais. Ils descendent tous. Pour que je gère le cortège. Encore, je vais faire. Pourquoi je trouve pas là? Efface, éteint. Qui donne le numéro? Je sais pas. J'arrête. On sait pas, ils sont en train de arriver. Deux secondes, on finit. Keep event. Non. Keep event. Après, au pire, on le fait dans la chose. On se demande pourquoi d'ailleurs. C'est bon, ça marche. Hein. Ok, et le lien? D'accord. Non. 17h30 la vraie heure. Oui, c'est 17h30 la vraie heure. Il y a eu des bouchons, il y a eu. Voilà, tout ça. Non, mais là c'est bon, là ça marche. Je ne sais pas si on. Nous on avait prévu là, alors le rêve il a. Non. Après il fallait que je fasse mon trajet. C'est pas grave. J'arrivais très en retard. Envoie-le à. Merci beaucoup. À qui je l'envoie le lien? Un numéro s'il vous plaît. Baruch, j'envoie à toi. Mais moi j'ai ça. Alors à qui j'envoie? Quel numéro? Un numéro de téléphone. D'accord. Un numéro n'importe lequel après vous dites. 06 23 23 31 60. 06 23 23 23 31 60. J'entends pas. Sinon, mariage, Ruben et Laetitia sur YouTube. Grâce à Dieu, pour une fois que c'est l'homme qu'on attend. Ah merde, tu veux que je te dise? Désolé, attends. J'attends. C'est bon, je t'ai envoyé. C'est attends, bon. Attends. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ah, non, c'est elle qui l'a reçu. Ah, sa mère. C'est qui elle? C'est ma sœur. Ah, vas-y, oui. C'est bon, le lien, c'est bon. Demandez à moi. Alors, je lui dis, viens, on y va. Tu veux là-bas? C'est bon. Merci de vous lever, nous accueillons tout de suite le marié. Mi pongo se lo la, a mi me va que es mi ha, me holi bi. Chamoza alors, chai chamoza. Se tan geo ti, que de la fiesta da. Attends. Yeah.
מבקש ממך בכל ליבי וזה התפילה שתנחה אותי בדלת ישרה ותודיע לי אורך הקודה שתריך Segula, boi boi ka.
Pour nous dire quelques mots, l'honneur des mariés. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Elsa ? Alors, je vais certainement donner le dos au public, parce que je tiens absolument à avoir les mariés en face. Comment peut-on définir Ahavat Israël ? Par cette question, quel est le fondement de toute notre sainte Torah ? Selon Rabbi Akiba, c'est la prescription « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est cet ordre divin qui constitue le noyau du message divin et le cœur de notre loi, la Torah. C'est exactement ce qu'ont décidé nos deux tourtereaux ici présents, notre Kala, Laetitia Ruth, et notre Atan, Reuven Abraham. Chers Muriel et Didier, chers Jocelyne et René, chères famille Pérez, chères famille Fitoussi, chers rabbins, chers amis, ce soir, c'est une joie multiple, une joie plurielle que je ressens et que je souhaiterais vous exprimer en deux ou trois mots, puisque je sais que nous sommes minutieusement timés. Alors, je vais aller à l'essentiel de mon propos en citant tout d'abord un illustre Suédois dont j'ai oublié le nom et qui disait ceci. Le mariage était, est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. En effet, il a raison. Tous les mariés te le diront, Réhouven. Cher Kala, cher Khatan, vous rentrez de plein pied dans le cercle fermé des mariés du peuple juif. Et avec votre permission et celle du rabbin Kahn,
je souhaiterais dire un mot sur ce fameux cercle fermé. Le cercle marque la limite entre la zone définie qu'il contient et l'étendue infinie à l'extérieur, entre le connu et l'insondable. De fait, le cercle lui-même est un mystère, sa valeur ne se révélant que dans l'énigmatique pi, qui n'est pas un nombre, mais une série de chiffres qui s'étendent justement à l'infini. Un mariage se compose ainsi de trois cercles, le cercle féminin, le cercle masculin et le cercle divin. La cérémonie du mariage vient de commencer avec le cercle de la mariée autour de l'époux. Le marié fait ensuite de même en encerclant son doigt d'un anneau par lequel il la consacre comme sa femme. Et tout cela se produit sous la choupa, dans la maison d'Hachem et en présence de sa chefina. Tout ceci concorde à vous donner les forces de transcender vos limites et de vous unir dans l'édifice éternel du mariage. Le mariage est bien le voyage de découverte le plus difficile, mais également le plus passionnant entrepris par l'homme. Car c'est bien dans le mariage, le vrai, et il n'est pas pour tous, que nous imitons le plus Dieu. Par l'amour que deux êtres différents se donnent sans rien attendre en retour, ils créent la vie. L'homme et la femme créent non seulement un enfant, mais également le potentiel de cet enfant d'avoir lui-même des enfants et pour ceux-ci d'en avoir à leur tour et ainsi à l'infini. Chère Laetitia, cher Réhouven, c'est ce que nous vous souhaitons de tout notre cœur, de vous aimer et de vous construire un avenir rempli de petits piou-piou. Amen. Vous pouvez dire amen. Hein. Dans la paracha de cette semaine, Shlech Lecha, Dieu demande de poser des franges aux extrémités de vêtements aux quatre coins, afin de vous souvenir des 613 mitzvot et de les accomplir. C'est la mitzvah des tzitzit. Quand on voit tout l'amour que se portent mutuellement Laetitia et Réhouven, on comprend un peu mieux le langage du cœur. Et il est troublant de voir que les quatre tzitzit d'un talet contiennent 32 filles. En hébreu, le chiffre 32 s'écrit au moyen de deux lettres. Lamed, 30, et Bet, 2. Ces deux lettres, Lamed et Bet, forment le mot Lev, cœur en hébreu. Il nous rappelle au passage que nous devons servir Hachem de tout notre cœur, et quand un homme et une femme s'unissent comme vous deux aujourd'hui, Hachem est vraisemblablement heureux. Surtout quand on sait le désir de bien faire de Laetitia pour créer un foyer juif, où la cacheroute, la pureté familiale, l'éducation juive et le soutien à Israël auront toute leur place. Je sais de Réhouven ce que m'a transmis Laetitia. Et pour tout te dire, Réhouven, elle est en admiration devant toutes tes qualités de générosité, de sensibilité, ton attention à son égard. Et ça ne date pas d'hier, puisque vous vous êtes rencontrés à la synagogue de la Grande Motte il y a 7 ans. Réhouven avait donc 14 ans. Donc en plus des qualités énumérées, tu as une détermination et une volonté à toute épreuve. Razak ou Barouf. Cette volonté qui t'anime de suivre et d'aimer Laetitia, mais aussi la Halakha, la loi de Moïse et d'Israël, et l'acte de mariage est un des actes les plus importants. Justement, concernant l'acte en lui-même, la Ketouba, avant de l'accepter, le rabbin te la traduira pour que tu la signes en toute connaissance. Mais je ne résiste pas à te traduire succinctement ce à quoi tu t'engages. Tu t'engages principalement à nourrir, à protéger, à vêtir ton épouse et d'être à l'écoute de ses besoins affectifs. La protection des droits de la femme juive est si importante que le mariage devient officiel seulement après parachèvement du contrat. Et le contrat, cher Réhouven, la Ketouba, c'est belle-maman qui en sera le dépositaire. Avant de conclure, je tenais à rappeler la mémoire des grands-parents de Laetitia, Gabi et Henri, et Régine et Maurice, qui, j'en suis sûr, sont présents dans nos esprits et dans nos cœurs à l'heure actuelle. Je souhaite une longue et belle vie à Papy et Mamie Pérez,
et à papy et mamie Bellassen, à Tsion comme à Jessica, Aurélia et Vanessa, la Simcha avec leurs conjoints respectifs, et une nombreuse descendance, à Jarod comme à Priscilla, de trouver leur moitié, leur Zivoug, très prochainement, et à Roni de réussir pleinement ses études. La coutume veut que chaque message adressé aux mariés se clôture par un Mazel Tov. Le terme Mazal signifiant littéralement une goutte qui coule d'en haut. Si ce mot peut avoir différentes connotations suivant le contexte dans lequel il est employé, celles-ci sont toutes rattachées à ces définitions basiques, quelque chose qui coule d'en haut. Lorsque nous vous souhaitons Mazel Tov, nous vous adressons en fait une bénédiction dont le sens est le suivant. Puisse cette goutte d'inspiration de vos âmes d'en haut ne pas se perdre, mais au contraire d'avoir sur vous un effet positif et durable, afin que désormais vous viviez votre vie avec une conscience accrue des bénédictions qui la jalonneront et que vous soyez prêts à en recevoir encore plus. Amen, Réamen, Mazel Tov aux familles Pérez et Fitoussi, et Mazel Tov à Laetitia, Ruth et Réhouven Abraham. Amen. Paroles de Tzadikim sont éternelles. Donc, je vais demander à David de nous lire la lettre que le Rabbi adresse au Hatan, et Kala. Baruch Hashem, Chaf E, Sivan Tashimpe, Brooklyn, New York. שלום וברכה. במענה על ההודעה, נקביעות זמן, חתונתם ליום כ"ה סיוון תש"ף, הבא עלינו לטובה. הנני בזה להביע ברכתי, ברכת מזל טוב, מזל טוב. ושתהיה בשעה טובה ומוצלחת, ויבנו בית בישראל בעניין הדהד, על יסודי התורה והמצוות והמצווה, כפי שהם מוהרים, במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ברכת מזל טוב, מזל טוב. Je vous salue et vous bénis en réponse à l'annonce de la date de votre mariage le 25 Sivan de l'année 5780. Je vous adresse une bénédiction de mazal tov, mazal tov. Que cette union soit un moment bon et fructueux, qu'il bâtisse un foyer juif, un édifice éternel, basé sur la Torah et les mitzvot, telles qu'elles sont illuminées par le luminaire de la Torah, c'est-à-dire par la chassidut. Avec ma bénédiction de Mazal Tov, Mazal Tov, signature du Rabbi Shlita. Voilà. Mazal Tov, Mazal Tov. Mazal Tov. Les témoins de mariage, c'est ils sont uniquement Baruch HaLevi et David Menachem Mendel, uniquement eux. On exclut de tous autres témoins. Vas-y. 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 Vas-y.
Amen. Ça suffit. Je ne vais pas vouloir finir le verre. C'est magnifique. C'est très bien. Arei ad mekudeshet li betabat zo kedat Moshe l'Israël. Amen. 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 Great. On va maintenant lire la Ketuba. Donc, de Revi Bishabbos, de Chamisha Vesrim Yem Lechei de Shivan, Shnas Chamisha Salaf Mishwa Meres Shmein Abris Eilam, Le Minya Shmein Ekan, La Tzel Sen Klu, de Galil Paris, Ech Shabacha, Reuven Avram, de Rav Shmo Shiyichye Peretz, Omalo, Lado Besulto Arut Lektisya, Vaz Rav Aren Shiyichye Fitusi, Havel Intekadas Meshe Vyisrael, van een eeflag, we eken, we eten, vast zich richten, kiegels geven, je deun, de veiligen, de meekrim, we zijn een fijne schermen, we hebben gemeen, we zijn een maas, en de gast, we kiegels, om ze neigen, we kiezen ze zeigen, ze kunnen zich kogelaren. Het is maar als goed, Letizia Bezultada, waar blinden we de nu naast me weer voor, en we kiezen we mezelf en we tachschieten, maar we wisten we schmier, we schmier, we schmier, we schmier, we schmier, we schmier, וצביר רב ראובן אברהם חסן דנם, ואיס למדילי עוד, מאיר עסקים כסף וחיים כנגדם, סך הכל, מסן עסקים כסף צורף. וכך אומר רב ראובן אברהם חסן דנם, אחי יש להקסיף תדו, נדיל ידם ותוסף תדו, קבולס אולי, ועל יסור בסור נסור מקוס ואין לנחוס, וכניון ניס לתחוס כושמע, וכניון נחוס ניס לנחייס ודלס לנחייס. כולן יהיה נחוין, ואמן נפרם יש להקסיף תדו, נדיל ידם ותוסף תדו, מינוי, ואפילו מגלים את הקשר, בחיי אבוס חיים יום דן לא אלו, בחיי שוכם ישתקסיף תודה, נדון ידם ותוסף תודה, כי בלא לב רב ראובן אברהם חסן דדן, ככם מקושתו שקצו וזה תוסף את זה את ישראל, או עשיר ומתיק וחמין הזאת, דולי כסמכתו, דולי כתיב של השטרה. וקונינו מרב ראובן אברהם ורב שמו שיחי פרץ, חסן דדן, למורס רות לטיסיה באסרבן, שיחי פיתוסי בסור תודה, הקומה נקוץ פרשתם ונקוש מקווי, הקושר וקיים, נאום ברוך, ברב יחקל מיכל שיחי הלוי, לוי עד, נאום דוד מנחמנו, ברב יוסף דניאל שיחי עטיה עד. Shalom, atzeret
Pour les deux premières rachot, Reb, le grand-père, ah, le père de la Kala. Le père de la Kala. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei pirei hagefen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol bara lekvodo. Amen. Le père du Chatan, le Didier. Alors le grand-père, Rav Yaakov, longue vie, Dieu. Pour la prochaine bracha, Yohan. בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה אמן
Rav Sivan. Ayoun. Sason v'simcha hatan v'chala ilar ina ditza v'chedva ahava v'achva shalom v'reot meher Adonai Eloheinu yishamar v'are Yehuda ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מצלות חתנים מחופתם. ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה C'est qui a voulu finir le verre? Quel tonton voulait bien danser ce soir? Moi je le finis. Monsieur avec la rose. Le deux. Il voulait partager. Le deux, il voulait partager. Tiens, t'as dit en premier. C'est bien. אם לא יא מלא אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי על ראש שמחתי על ראש
כל חתן וכל כלה עוד ישמע בהרקדה כל ססון וכל שמחה כל חתן וכל כלה איי 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 עוד ישמע בהרקדה ובחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה כל חתן וכל כלה עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה כל חתן וכל כלה איי איי איי
venu, toi. C'est avec mon compte que tu réponds, là. Pas grave. Ça va. Attends, je vais te montrer ton frère, juste là il est occupé. Arrête d'arracher comme ça. J'arrache pas. Non, j'arrache pas. Jamais, jamais. Jamais déçu dans ta vie. Chaque fois que tu mérites le meilleur, parce que c'est tout le meilleur pour toi. Balzac, merci beaucoup. C'est toujours le filmé. Vraiment, tu m'as dit que c'est la meilleure. Je te deviens juste un
naturellement et spirituellement, que tu es vraiment chaque joie que tu peux avoir, tu l'auras si tu veux, que toutes les portes s'ouvrent pour toi, et que vraiment tu sois toujours joignant, entouré de tes proches, que tu peux faire si tu veux, et vite à venir la pierre avec les joueurs. Elle est parmi nous. Vas-y, attaque. Bonne madame, il y en a. Deux, il reste au moins. Ça va ? Il m'a dit que c'est pas ce soir. Il va Il va t'attraper. Ruben, dégage. Vraiment pour vivre la vie très prochainement, avec la réussite matérielle et financière. Et que tu es jeune en plus. Baba, là t'as une araignée là. Enlève là. T'attends! Arrête de parler, tu vois pas qui? Je bien avec tes jeux, que t'as eu plus aucun problème si tu veux. Aucun stress, non stress. Va t'occuper de ta cala. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu être bénis. Allez, là-bas, dans le rouge. Là, 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 là. Regardez-là, la caméra. Vas-y, encore, allez. Mets un petit peu derrière. Mademoiselle. Noémie. Noémie, bonsoir. Bouge-toi. Comment il s'appelle? Ruben, appelle-le, Ruben. Vas-y, Ruben, Ruben. Ruben. Et Laura aussi, Laura, vite, mets-toi sur sa chaise. Mets-toi sur sa chaise. Oui, allez, c'est bon. Hein. C'est Lior, il est où? C'est Didier à la tata, ma sainte. Regarde, tata, tata.
descendant, hein. Si, oui. Je suis un descendant. Venu photographe. Zalto. Zalto, Zalto. Mais non, mais c'est pas la question. Il faut pas se vexer, Bernard. Histoire. Allez les mariés, s'il vous plaît. Merci de m'avoir fait rire aussi pendant la. Ah ouais, mais vraiment, ma parole. Magnifique. Donc, mazal tov. Sous le khadi khout. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Parfait. Donc, on va amener des chaises au pire. On va tout mettre sur la robe. Vous voulez une chaise, quelque chose, je sais pas. On va s'asseoir dans le lévier. Pardon, il y a bien. C'est pour le live. C'est un lévier. Bah, jusqu'à tout. On va pas voir la prochaine fois. Tiens. Oui, parce que là-bas, je sais plus qu'il est. Tiens. Ah, c'est bien que je vous viens. Vous voulez pas leur amener la nourriture de photo de frais. Non, ça, mais c'est je m'excuse. C'est je m'excuse. Posez ça sur la table, s'il vous plaît. Non, non, vous avez raison. Mazal tov, et vous avez raison, il n'y a aucun problème. Merci on va beaucoup. Faire ça très vite et tout. Il y a une personne qui prend la photo. D'abord, le khatan, il rentre le pied droit d'abord. Parfait. Kala, mazal tov, le pied droit d'abord. Khatan, oh, non, 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 marche rien. Khatan, avancez là-bas pour ne pas gâcher les photos. Très bien. Vous rentrez pied droit d'abord. Parfait. Magnifique. Vous rentrez, rentrez, rentrez. Je rentre, rentre. Super. On va faire quoi le mid-verse. Il vient tromper la cuillère, je pense. On regarde les clés. C'est marrant. C'est un nouveau concept. Il fait de soi, il fait moi. Il fait quoi? Attends, Priscilla. C'est pour le live. C'est des concepts un peu. Il y a des musiques, oui, non, mais c'est des faits. Bien sûr. C'est le rêve. Le rêve, il est. Nous, on va sortir. Il va pas nous dans le photo. Allez. 5 minutes, 10 minutes. Donc, nous, on va sortir. De suite. Donc, on va. Bah, on arrête. Donnez-le à voir tout de suite. Oui. C'est vous écroulé, là. Hein? Vous écroulé. Voilà. Vous il n'a pas compris. De vous vérifier qu'il n'y a personne. Oui, de vous de vous vérifier qu'il n'y a personne. Voilà. Super. Magnifique. On ne sait jamais des, hein, une vidéo ou quoi que ce soit. Super, j'attends de prendre la porte. Ben, je vais prendre les appels. Voilà.
Satan, fermez la porte. Et je me change d'abord. Je ne ferme pas avec les deux. Vous, eux, ils restent là pour garder qu'il y a personne qui rentre. Démarrez le compteur, vous restez là. Le temps que personne ne rentre. Là, ils sont rentrés, là. Je ne peux pas récupérer mes affaires. Je m'excuse vraiment, mais on va le laisser tranquillement. Oui. Je vais vous raconter une petite histoire. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment j'ai fait mon mariage? Oui. Au Khedi Yehud, il n'y avait pas de clé. Oui. Et chaque deux secondes, il y a une autre personne qui a dit pardon pour.